C'est Créa Bilou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul de chez Ali. Hein. Vous connaissez tous le fournisseur japonais, donc Ali. Et donc voilà, j'ai reçu depuis il y a quelques temps quelques commandes. Et donc j'ai attendu d'en avoir, parce que j'en attends encore quelques-unes, mais je ne les ai pas reçues encore. Bon, il y a eu les ponts au mois de mai. Donc je pense que ça va mettre un peu plus longtemps. Donc ça c'est pour les commandes Ali. Et je suis super contente. Je vais vous montrer parce que j'ai reçu une commande que j'ai faite donc chez Amazon. Regardez ma planche en verre Tonic Studio. Voilà. Donc je suis super contente. Voilà. Pardon, vous étiez tombée. Donc voilà, j'ai penché un peu trop. Donc c'est la planche Tonic Studio, hein, bien sûr, en verre. J'aurais juste une petite question pour les scrappers qui passent par ici et qui ont cette planche. Moi, j'ai gardé les petits angles là en caoutchouc qui s'en vont. Mais c'est chiant parce que... Enfin, c'est chiant. Ça fait que tomber en fait. Donc, je ne sais pas si... Dites-moi si vous les avez gardés ou pas. Moi, je les ai gardés parce que je voulais protéger les angles. Mais après, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne suis pas sûre parce qu'elle est neuve. Donc, je voulais garder. Mais alors, dès que je bouge, machin... les angles comme ça ils tombent, donc je pense que je vais les enlever, mais je voudrais quand même avoir vos avis. Donc bon, n'hésitez pas à me dire si donc si vous les avez gardés ou pas. En tout cas, je suis super contente, je me languis de faire bon, j'ai déjà fait un petit peu de patouille dessus. C'est vrai que c'est nickel à nettoyer. Après aussi une autre chose, si vous passez par là, j'ai quand même peur de me servir du cutter alors qu'apparemment c'est fait pour. J'ai quand même peur de me servir du cutter et de le rayer, alors que bon, normalement, c'est censé être non rayable. Donc, je compte sur vous, si vous passez par là, pour me dire en commentaire si je peux y aller avec mon cutter sans problème, sans que... Parce qu'à l'heure actuelle, je suis encore un petit peu frileuse, j'ai pas trop envie d'essayer. Bref, donc sans plus tarder. Donc ça, c'était ma commande que j'ai eue sur Amazon et je suis super contente. Donc, sans plus tarder, je vais faire le haul de Ali. Donc ça, j'ai reçu ça, vous voyez, le 19 avril. Donc je me languissais de faire la vidéo, j'avais pas le temps de la faire avant pour pouvoir les ranger, tout simplement. Donc ce sont des petits, on dirait comme des petits flocons. Alors vous allez me dire, c'est pas trop la période. Mais en fait, je vais pas m'en servir comme flocon, hein, réellement. Voilà, je vais m'en servir dans les créas, tout simplement. Hop, je vais essayer de vous les zoomer. Voilà, est-ce que vous les voyez? Donc c'est nacré, hein, c'est assez sympa. Voilà, tout ça pour dire que j'aurais bien envie de faire un petit peu de chabi et de mettre ça dans les créations. Donc il y en avait, je ne sais plus combien, mais voilà, tout un sachet comme ça. De petits flocons. Alors j'ai relevé aucun prix, je suis désolée. J'ai juste la date de réception, donc qui est au... qui est au 19 avril. Si toutefois vous êtes intéressé vraiment par un de ces produits-là, ben vous me le mettrez en commentaire et je ferai des recherches pour vous donner le tarif et le lien, pourquoi pas. Voilà, là je n'ai pas fait. Donc ensuite j'ai reçu aussi le 19 avril. Alors ça, je le voulais depuis un petit moment et je dois dire que je ne suis pas du tout déçue. Donc ce sont des cadres comme ça, hein, vous voyez, ajourés. Donc il y a plusieurs tailles. Et donc j'ai fait la découpe pour vous montrer quand même. Et je trouve ça super joli. Alors là j'ai fait sur du blanc, hein, basique. Je vais vous passer, je vous descends un petit peu. Hein, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu. Hop. Donc voilà, il y a plusieurs tailles. Et donc du coup ça donne ça. Et moi je trouve que justement les superposer comme ça. Les... Alors est-ce que vous allez voir? Je vais zoomer un peu, hein, ne bougez pas. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez? Hop. Voilà, donc elles sont vraiment très très belles. Donc je vais, hop, celui-là c'est un double parce que je m'en suis déjà servi, hein, j'ai fait une carte avec. Donc voilà, moi ce que j'aime, le principe en fait, c'est de les superposer comme ça et je trouve que ça fait un super bel effet. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça vraiment très très sympa. Attendez, hop, bougez pas, hop, voilà, donc je trouve ça vraiment très sympa. Donc je suis assez contente parce que je suis pas du tout déçue. J'aime bien ce principe de superposer. Vous allez voir, j'ai commandé, donc j'en attends encore un. Hein. J'ai commandé plusieurs trucs comme ça par principe de superposition. Je trouve ça super sympa.
Voilà, donc ça, je l'ai commandé, je l'ai reçu le 19 avril. Donc j'ai dû commander ça sûrement début avril. Je me rappelle plus. Voilà. Donc ça, c'est donc. Donc j'ai fait plusieurs hein, pour les d'avance. Alors c'est vrai que bon, les typicaux, les petits trous, toujours pareil, les trous c'est joli, mais après c'est un peu chiant à tout enlever. Ça, je l'ai reçu le 18 avril. Alors voilà, c'est pour vous dire que là, c'est pareil. Hein? Donc, c'est des petits cadres comme ça. Alors, ceux-là, en fait, ils ont double effet. Je vous ai montré. Pour ça, je vous ai fait les découpes pour que vous puissiez le voir. Donc, alors, si on les fait séparément, donc on les défait tous et on les fait, ça nous donne donc ceci. Donc, ça. Donc, c'est pareil, hein, par superposition. Hop. Hop. Donc je trouve que pour faire. Alors après vous pouvez changer les couleurs ou les coloriser ou comme vous voulez. J'ai fait un mini album là et je m'en suis servi pour faire l'en-tête. Et donc voilà. Donc je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Parce que bon, c'est vrai que c'est sur du blanc. Bon, je vais essayer de vous la montrer. Hop, voilà. Donc ça vous donne une bonne superposition comme ça. C'est assez sympa. Il y a la fausse couture. Donc ça, c'est si vous les faites tous séparément. Par contre, si vous les passez dans la Big Shot. Comme ça, donc tous à coller et vous les passez dans la Big Shot. Et bien ça vous fait des cadres. Donc sauf le dernier, hein, bien entendu, mais ça vous fait des cadres là. Donc je vous les montre comme ça. Voilà, donc ça a un double effet et je trouve ça sympa. Voilà. Donc ça c'était pareil, c'était donc des trucs que j'attendais. Voilà. Donc je sais pas si je vais pas les remettre parce que dans tous les cas je vais les ranger directement après. Ensuite j'ai reçu alors un tampon juste parce que j'ai craqué complètement bien sûr sur les tampons à texte hein, comme d'habitude. Les tâches aussi pour mettre dans les créations, les pages, je trouve ça sympa. Donc j'en avais pas du tout. Bon les encadrements j'en avais. Par contre, les tâches comme ça, je n'en avais pas du tout. Surtout celle-là, elle me plaisait bien. Et alors, le texte, il est super beau. Je vais essayer de vous montrer, mais je ne suis pas sûre que le focus se fasse. Voilà, ça fait vraiment texte à l'ancienne. Et bon, je suis assez fan de moi. Donc j'ai commandé ça. J'ai reçu le 20 avril. Et j'ai commandé aussi parce que j'en avais pas. Vous savez, les petits onglets comme ça. Donc je les ai faits. Donc j'ai pris les basiques hein, bah, pour pouvoir me servir plusieurs fois. Et donc je les ai faits en découpe pour vous les montrer. Voilà, donc ça fait comme ça que vous repliez sur lui-même. Donc j'ai le rond et j'ai le comme ça le basique. Voilà, donc ça c'est pareil, je les voulais depuis un petit moment aussi. Donc ça c'est aussi un achat que j'ai fait. Ensuite, alors là par contre, toujours pareil pour compléter donc ma folie des feuillages et des fleurs en ce moment. Je sais pas si c'est le printemps qui fait ça, mais c'est vrai que je n'avais pas tout ce qui était feuillage et tout ça. Et donc j'ai commandé celle-ci. Et je vais les sortir aussi comme ça sera fait. Et donc celle-ci. Voilà, donc celle-là, je l'ai pris surtout parce que ça faisait brin de muguet là. Voilà. Alors, le seul inconvénient que je vais reprocher à cela, ceci, c'est que vous voyez les. Alors, elles sont très très fines, je vais vous montrer les découpes. Hein. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que sur chaque petite fleur, comme ça, il n'y a qu'un seul trou. Vous savez, pour défaire les découpes après, il n'y en a qu'un seul au bout de chaque. Le problème, c'est que c'est tellement fin. Que si vous faites pas attention quand vous relevez que c'est collé comme ça parce que c'est bien, et ben en fait ça a tendance à se déchirer un peu, donc faut y aller très 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 doucement. Voilà, c'est le seul reproche que je vais leur faire à celle-ci, c'est qu'il n'y a qu'un seul trou là pour pouvoir les évider en fait. Donc je vais vous montrer le rendu. Voilà, alors donc je vais déjà commencer par celle-ci parce qu'elles sont déjà positionnées. Hop. Voilà, donc le rendu, alors celle-ci n'en tenait pas compte, c'est moi qui l'ai déchirée sans faire exprès. Voilà, donc je l'ai mis sur ma mousse, comme ça tient un peu mieux. Donc voilà, elles sont vraiment très sympathiques. Donc là, j'ai fait en blanc, bien sûr, pour vous montrer. Mais je trouve le rendu assez sympa. Donc celle-là particulièrement.
Bon, seulement c'est moi qui les... Alors, en fait, je vais vous expliquer, quand je les ai passées dans la déchasse, je ne les ai pas défaites, vous savez, une à une. Elles sont attachées par un petit. Donc, je pense que ça a dû jouer un petit peu, puis elles étaient un petit peu gondolées. Donc, parce que moi, c'était plus pratique quand je passe, comme ça, je passe tout d'un coup, voilà, de les faire une par une. Donc, ça, c'est donc les premiers feuillages. Donc, je vais les enlever. Et donc, je vais vous mettre les autres. Donc, c'est ceux-là. Hein. Voilà. Et donc ceux-là, voilà, ce que je vous disais, regardez comme c'est très 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 fin. Et donc quand vous tirez pour les enlever, ben forcément, vu que c'est retenu que par là, quand vous tirez comme ça, là, tac, tac, et ben bon, faut faire super attention parce que sinon ça se casse. Voilà, c'est le seul petit reproche que je pourrais leur donner. Donc j'ai fait une ATC que vous avez dû voir sur mon Instagram certainement, pour ceux qui suivent. Avec l'ATC avec le brin de muguet comme ça pour le défi numéro 1 de Natacha. Hein, Natacha, ses bricoles et voilà. Donc j'ai fait son ATC et donc avec le brin de muguet comme ça. Voilà. Donc ben, ça c'était donc pour mon haul donc Ali. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, hein, voilà. J'en attends encore des choses, mais bon, on le sait, hein, c'est long. Et puis là, avec les ponts du mois de mai, je pense que ça n'arrange pas. Voilà. Donc, je regarde si j'ai rien oublié, mais je crois que non. Ah si, j'ai celle-là. Ah, par contre, celle-là, j'ai pas fait les découpes, pardon. Hop. Alors, celle-là, j'ai pas fait les découpes parce que je viens de les recevoir. Mais c'est pareil, c'est des grandes feuilles, des grands feuillages. Voilà. Donc ça faisait un petit moment que je les avais. Ben, celle-là, je viens de les recevoir, donc je n'ai pas fait la découpe. Donc je vais pouvoir ranger tout ça. Voilà. Bon ben sur ce, je vous fais des bisous. Alors je vais vous reprendre quand même en face caméra. Hop, coucou. Voilà. Donc ben, sur ce, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!